Eugène, ouf, c'est moi. Hé, Delphine. Arrête, tu t'es décidé à sortir? Ouais, je suis prêt. C'est l'heure d'entrer en scène? Non, toi t'entres en scène. Moi, je vais rester dans l'ombre. Quoi? Genre furtif. Furtif. Alors, l'excité, c'est quoi le plan? Tu te rappelles de ces bioterroristes potentiels qu'on a libérés du DUP ? En fait, je me souviens d'une expédition de sauvetage plutôt tendue, mais continue. Il se trouve que le gang des Akula les a piégés. Ils les retiennent prisonniers sur un chantier, pas loin. En fait, ils ont l'intention de les revendre au DUP. Cool. Et si nous, on s'en chargeait ? Oh, t'en fais pas. J'ai demandé à mes amis de t'y rejoindre. Par ami, j'espère que tu parles de gentils archanges. Et pas de Melvin et Lenny, ta guilde D&D. J'ai pas de guilde D&D. Eugène, sérieux, il faut que tu dédramatises. Ok, j'y suis. Ils sont où, tes potes? Ils arrivent, mais tu vas devoir faire un tour à l'intérieur du chantier. Et ils aiment pas les espaces clos. Les anges sont claustraux. Super! D'autres détails que j'aimerais connaître sur mes renforts? Ils sont pas à l'aise dans l'eau non plus. Ah bah on est raccord! Ah ouais, je l'imagine, et ça devient réalité. Cherche encore. Pourquoi pas, tant que je suis là. Oh, chantier en cours. J'aurais dû mettre un casque. Delphine, t'oublies un étage. Bon, et de deux.
sang, mec. Les Akulas sont des champions pour cacher les gens. Wow, attends, j'entends des hélicos. Va sur le toit. Les hélicos du DUP y récupèrent des containers de marchandises. Les porteurs sont sans doute dedans. Merde, trop tard. Non, non, tu vois mes anges ? Je leur ai demandé de forcer les hélicos à rester près du toit pour que tu sautes sur les containers. Ah ouais, pas de problème. Sauter sur des containers en mouvement à 4 étages au-dessus du sol. C'est le genre de rigolade que tu manques en te la jouant Deus Ex Machina. Quand tu seras sur un container, il suffit de casser le treuil qui le rattache à l'hélico. Mes anges rattraperont les containers. C'est un peu... C'est trop délire d'être génial. Eh les anges, ça va tomber. Sorte sur container! Eugène, ça en fait un de plus pour toi! Les anges, on l'attrape! C'est comme à la télé! Et voilà le dernier! S'est posé à Denny Park. Le DUP converge dessus. Empêche-les de mettre la main sur ses porteurs. Il n'est pas question que je vous laisse toucher à ces gens.
Eugène, t'as pas d'autres anges à nous envoyer ? Si, mais ça peut prendre du temps. Ah ah, j'ai pas le temps ! Tous ceux que j'ai sous la main seront d'histoire ancienne dans 2 minutes ! Non, ça doit pas se passer comme ça ! C'est pas le moment de faire ta mijaurée ! C'est trop pour moi, j'en peux plus ! Eugène ? Non, reste avec moi, Eugène ! Eugène ? Allez, mec, s'il te plaît, me dis pas que tu viens de m'abandonner devant l'hôtel ! Eugène, s'il te plaît, dis-moi que c'est toi. Vous allez maintenant subir le courroux des flammes de l'enfer. Ah, je crois que vous allez détester ça. Ok, mon petit ange, je vais les attendre un peu. Et Eugène, quand tout ça sera fini, tu pourras m'apprendre à faire ça ? Tu n'en es pas digne! T'es un sacré connard quand t'es déguisé en ange. Tu le sais, ça? Mis du temps. Ça alors, regardez qui a décidé de rejoindre le monde réel. Ouais, tu m'as convaincu. Je vais donner une deuxième chance aux gens. Eh bien, de la part de tous les gens, merci. Ouais, enfin, au pire, s'ils me déçoivent encore, je peux te dire qu'ils vont vraiment morfler. Oh! C'est ça, gamin. Une pensée heureuse. Depuis le cas Eugène, je m'en éloigne jamais. Les infos ont parlé d'une explosion à la tour et ils ont démenti juste après. Essaie de trouver un bon point de vue pour qu'on se fasse une idée.